Bienvenue dans la vidéo que nous souhaitons faire là. Nous souhaitons voir comment nous sommes capables d'ajouter couleur et bordure dans le tableau. Et maintenant, nous allons voir comment nous sommes capables de formater cellule tableau pour nous contrôler l'input qui a une madame. On va aller sur le desktop, nous avons un fichier Excel nous qui était déjà lancé. Et si vous n'avez pas de lancé, vous êtes capable de lancer le fichier Excel que vous avez fait pratique ensemble avec nous. Et nous allons créer un autre tableau. Nous avons pratique 5. Nous faisons pratique 1. Nous faisons pratique 4 là déjà et nous faisons pratique 2 jusqu'à pratique 3. Nous allons faire maintenant chapitre 5 là pour nous contrôler l'input qui a fini dans le tableau. Voilà, c'est ici. Dans pratique 5 là, nous disons que nous avons un tableau, mais nous avons besoin de connaître comment l'input a fini dans le tableau. Parce que vous êtes capable de faire un tableau, dans le cas ça va arriver, c'est vous-même qui pourrez taper l'élément. Vous êtes capable de faire un tableau que vous avez sur Excel, c'est une forme que vous mettez en dit. Vous créez sur Google Drive parce que Google a une bonne possibilité pour gagner en dit même genre utiliser Excel sur l'ordinateur là pour capable utiliser en online pour capable gagner une forme que vous voulez là par quelque monde pour monde vous capable gérer même taper mettre montant yo ou bien taper mettre date mettre prix pour un produit vous capable un projet peut-être travailler en cours mais on parle plusieurs monde fait erreur là-dedans pendant yo ou comme si un côté tableau gagne date. Et puis, pour garder le si yon montant qui là-dedans, parce que c'est le yon input qui général, côté que moun yon capable d'entraîner pour le bagage, il n'y a pas de dire rien. Par contre, dans la cellule, ça, si moi entre texte, on dit mes prénoms là, des caillettes, il y a un problème, juste pour mais par contre, c'est quantité m'a gagné, c'est quantité pas carré dans yon moun, mais il prend quand même. Eh bien, nous pouvons le formater pour nous dire, c'est le seul moyen de taper texte pour lui, voilà, ou bien pour pas quoi faire. Eh bien, en aller, pour nous faire ça, nous allons aller formater cellule. Quantité. Si nous avons une quantité, un produit est adoué, il y a un nombre. Pour si un nombre, nous allons formater. Pour nous formater d'abord, nous sélectionner tout côté. Avant de dire, là où formater une cellule, c'est comme si vous faites une prévision. C'est comme si vous avez dit, ok, mon qui parle entrer, texte dans la formule, dans la cellule, ça, il doit prendre, mais qui texte il doit prendre. Et je suis capable non seulement de dire, mais qui type de texte il doit prendre, je suis capable de tout dire, mais qui size texte cellule, ça, il doit gagner. On va faire tout formatage ça, ensemble. Pour nous faire, nous sélectionner d'abord cellule que nous voulons formater, et nous faire clic droit. Et une fois que nous sélectionnons toute une plage de cellules, le changement va le faire, il est applicable pour toutes. Je vais faire pour une grande cellule, mais je vais faire pour toutes cellules qui sélectionnent. Je gagne un groupe cellule qui sélectionne, et bien, et comme si je gagne un groupe cellule qui active, et bien, je vais faire une modification pour tout groupe ça. Et bien, je fais clic droit sur le groupe de sélectionné, je vais aller dans format cells. Même quand je vais aller dans le alignement. Nous avons un menu qui est en pile, mais nous allons utiliser tout, nous allons utiliser l'autre menu qui est number. Pour le premier nombre, nous avons une catégorie. Dans la catégorie, nous avons plusieurs autres éléments. Et comme si nous sommes capables de formater ces éléments. Nous sommes capables de faire un formatage général. Nous sommes capables de prendre n'importe quel nombre. Nous avons juste pris. Et choisi pour. Nous sommes capables de faire un nombre. Nous sommes capables de faire un currency. Comme si c'est pour montant l'argent. Nous sommes capables de faire un accounting. Qui c'est même pas là. Nous sommes capables de faire une date. Nous sommes capables de faire un time. Vous pouvez avoir un pourcentage, fraction. Ça va dépendre de vous-même qui veut formater ces lignes. Nous allons choisir dans ça. Dans le cas, nombre, on va juste quitter le général. Donc, quitter le général, ce n'est pas un problème. Si vous prenez un nombre, tout la marché, même quitter le général. Et nous sommes capables de balayer un alignement. Je ne sais pas si vous êtes nous sommes capables de balayer un alignement. Et pendant un alignement, nous sommes capables de choisir qui j'en texte nous doyer dans la cellule. Est-ce qu'elle veut le centrer, ou bien est-ce qu'elle veut le à gauche, ou bien est-ce qu'elle veut justifier, nous sommes capables de choisir. Et nous sommes capables de choisir si le texte nous doit positionner en bas, comme si verticalement, de façon verticale, ou bien en l'air. Nous sommes capables de choisir bottom, top, center, ou même nous sommes capables de connaître qui j'en peut ouvrir les paramètres. Nous pas prêter dans menu alignement, nous allons aller dans le menu font. Là, vous venez dans le menu font et dire qui gens ou t'a aimé formater cellule. Et bien, il dit, d'après tout texte qui a dans la cellule, ça, non seulement il y a en gras,
Même ta première yo italique tout. Et même choisi Gaulle et italique. Et m kapab vin là tout. M di comme ta première texte qui sa m ta première texte qui na la dans la gain kapab choisi. M di ta première gain 16 14. Voilà, m gain tout gain 16 14. Si m ta première déterminer qui couleur texte ap tape dans cellule ça gain, m di ta première tout texte ap tape tape dans cellule ça yo gain couleur mauve. M cliquer et moi dit OK, on va que fait tout choix ça yo, moi choisi dit OK. Voilà. On pour cellule moi sans beaucoup gain texte, mais par contre, m'ai t'a déterminé qui type de texte il lui accepter, m'ai t'a déterminé tout, qui couleur texte moi lui, m'ai t'a déterminé qui grosseur texte moi lui. Si m'ta pion un texte là de iPhone, j'ai et après m'ai deux là. Et si je regarde size 2, maintenant, moi qui size li, li 14, parce que je suis en train de destiner depuis tout à l'heure pour 14. Et si je tape un autre texte à 5, sans beaucoup dire qui j'en ai, ou après toujours 14. Voilà, tout a gagné size 14. Et dans la date qu'on a, on va le formater cellule pour une date. Là, on formate cellule là, côté pour prendre un nom. Là, nous allons formater le côté pour prendre une date. Là, on prend une date capable de présenter plusieurs façons. Il y a des gens qui ont une date, qui aiment prendre un jour, un mois et puis année. Il y a des gens qui aiment non seulement prendre un jour, un mois, année, mais qui aiment ajouter l'heure là, après. Il y a des gens qui aiment, pour un livre, il va t'apprendre, comme si on dit si décembre, c'est 12e mois, il va t'apprendre écrit 12e mois, il va t'apprendre écrit décembre, ou bien écrit en partie dans décembre. Il y a un qui ont écrit DEC, pour juste identifier décembre. Eh bien, nous allons formater pour nous-mêmes, selon le groupe, pour dire qui j'ont apprendre, formater date, ou qui j'ont apprendre pour nous. Pour faire ces mêmes pratiques avec avant, nous sélectionner d'abord le groupe de cellules que nous voulons formater. Nous sélectionner un groupe de cellules, et nous faisons clic droit. Nous pouvons aller dans le format Cells. Voilà, nous venons là. Et dans le nombre, tout à l'heure, qui était sous général, et bien là, nous allons choisir date. Nous venons dans date. On peut le nous plusieurs façons que date nous sommes capables de présenter. Nous sommes capables de date qui présente côté gagner mois, jour, année. Et nous capables de gagner côté m'écrit, jour à même, m'écrit moi-même. Et m'écrit Ania. On capable bien tout côté seulement pour un jour avec moi et Ania pas intéressé. Du côté on capable prendre format ça. C'est vous-même qui pas connaître qui j'en veux pour capable prendre qui j'en veux pas. Et si vous allez faire ça, il y a plusieurs autres façons là. Bien baou que vous capable prendre non seulement date là, vous capable prendre l'heure là tout. Donc on a modèle ça. Et bien nous pas prendre une côté nous capable prendre non seulement date là, mais on prend l'heure là tout. Nous prend éléments ça côté nous point moi nous point jour nous point année et nous point l'heure nous point une date qui complet vous capable choisir région parce que tout pays par point date au même genre le États-Unis il gagne façon il prend date li, et le point en France il gagne façon point parle comme si français ou pas toujours même genre anglais et bien ou même quoi choisir qui comment ou le point pour là qui même selon qui pays ou à vivre et nous quitter sous anglais. Et puis, on dit, OK. Voilà, là, on pourrait pour moi prendre date. Et, on prend n'importe texte, on tape. On dit, si on tape une date 12-2018, 20, voilà, on gagne 12-04-2018, qui tape. Qui là. Et si on met un nombre, on dit, on tape là, on tape un nombre. On dit, on tape 2000. Par exemple, quand je tape 2000, je fais un T, je formate en l'heure pour moi parce que je fais 7 cellules pour prendre l'heure seulement. Je ne fais pas 7 pour prendre l'autre bagaille. Si je tape 5000, par exemple, je formate en format l'heure pour moi parce que je formate pour prendre l'heure, je vais formater pour prendre l'autre bagaille que l'heure. Je souhaite bien comprendre ça. Nous noter pour capable formater une cellule et puis à l'avance pour nous donner bien spécifique que on connaît ou pas insérer en dans cellule ça et pour nous finir nous parler d'un prix un prix on dit si c'est haïtien qui vend prix le capable en good mais dollar nous utiliser dollar tout capable gagner un prix qui en dollar US
Eh bien, on dit, nous besoin formater cellule noire. On dit, les n'a pas un prix, c'est un montant, c'est un chiffre. On dit, c'est un chiffre, nous parlons pas, c'est un nombre. Nous t'apprenons à prendre comme ça. Et pas oublier, là, on prend l'argent tout. L'argent n'a pas toujours tombé où? Tombé où? Capable de l'argent côté que, il y a un point 99, donc on dit prix, téléphone, yo. Si tout l'a pas acheté sur Amazon, par exemple, ou bien l'a pas acheté dans market, yo. On peut toujours compris qui gagne un queue d'elle. On dit si vous ne pouvez pas acheter un article qui vend 15 dollars, ouais, c'est 15 dollars 70, comme si gagne un queue d'elle. Ou même, vous pas capable de déterminer là, combien de nombres vous avez mis à prendre après virgule. Parce que, on dit, le wa fait, on dit 3,14 par exemple, qui c'est valeur pi. Le wa prend, c'est pas 3,14 seulement. Il y a un pi nom qui d'elle, mais il choisit pour deux. Eh bien, nous, on a capable, on dit, si on a pris un nom, est-ce qu'on a pris deux chiffres après virgule, ou bien on a pris plusieurs chiffres après virgule? Eh bien, là, on est capable de déterminer. Et on est capable d'utiliser, on est capable de déterminer tout, qui symbole l'argent que va utiliser. Est-ce que c'est dollar? Vous mettez ce symbole dollar, ou bien est-ce que c'est good? Vous pouvez insérer ce symbole good, qui c'est HTG. Nous, en plus, nous par contre ça. Pour good, c'est HTG. En plus, il faut nous prendre plus de temps de écrire good derrière, ou bien nous juste écrire GDUS derrière montant nous, pour nous exprimer good. Mais format, ou bien symbole pour good, c'est HTG. En aller, pour formater, nous sélectionner d'abord cellule nous. Et nous fait clic droit, nous toujours aller dans format cells. Ça c'est une façon que vous pouvez passer pour venir tomber là. Bon, nous trouvons l'autre façon que vous pouvez passer pour tomber là, que vous pas obligé de clic droit pour venir dans format cells. Si vous allez là, dans le toujours dans onglet home, là vous allez dans groupe number, vous pouvez vous gagner un code marqué général. Si vous cliquez sur flèche là, il m'a en bas net côté team mon number format. Je clique sur lui, là, je tombe dans le même menu. Et dans le menu, je suis capable d'aller dans le code. Ok. Currency, bien accounting, je suis capable de choisir. Je choisis currency. Là, si je choisis qui symbole que je veux, je suis capable de cliquer. Si je suis capable de choisir par gain même, ou bien je choisis gain. Ça a un ensemble de symboles qui gain. Si je choisis, par exemple, par haïtien qui c'est HTG, capable de HTG, c'est le même ça. Si vous cherchez dans l'issue avec flèche ça m'a besoin, voilà, et qu'on s'en cherche pour jouer, on tape HTG et me dit combien, quoi un homme d'après mes gains après virgule, me dit d'après mes gains 2, me quitte souvent, et me dit ok. Une fois que me tape un nom, et c'est là. Après, il automatiquement non seulement ajouter code blanc pour moi, il a pas ajouté 2 0 après virgule, ou bien c'est pas un 0, c'est un nombre à prendre 2 là-dedans. Si vous tapez par exemple 100, ça c'est 100 good, et vous avez 2 0 d'elle. Vous avez 100, vous tapez à, vous avez 5 là. Et n'importe quel nombre, vous tapez 6, et bon, 6 good. N'importe quel nombre, vous tapez à, la bonne moyenne, même par là, la bonne moyenne en good. Ça c'est façon que moi capable formater mon cellule pour me contrôler input qui vient là-dedans comment les doyer. Une fois que fin faire me contrôler input yo mettre que cal n'importe monde qui pas insérer une valeur on peut apprendre qui j'en parle pour moi et pour insérer valeur on peut apprendre OK c'est non goudan aller moi c'est goudou entrer et game si vous t'a aimé ainsi pour plus valeur après virgule là capable sélectionner groupe pour aller là après aller là il y a un côté marqué increase decimal and decrease decimal capable choisir là-dedans si moi increase la prend plus 0 après virgule là si moi decrease m'a retirer 0 après virgule là car je ne pas choisir pour rien après virgule mais généralement je toujours prend au moins deux chiffres après virgule et après me virgule là c'est qui ça le fait lui-même. Comme c'est un distingué, il y en a qui vivent dans 1000, ils séparent 1000 ans par rapport avec centaines. Ils séparent pour une façon pour les appeler pour capable plus lisible pour eux-mêmes. Nous pouvons faire pratique pour nous montrer comment pour faire une révision sur toute santé verte. Nous te dis si nous besoin insérer un nombre, nous quitter sous général, mais pour formater cellule là,
nous sélectionner d'abord groupe de cellules nous voulons formater et nous fait clic droit, nous aller dans format cells et nous choisir ça élément que nous voulons. Nous te dit nous capable formater non seulement pour nous dire mais qui type de texte qui doit prendre, nous capable formater le tout pour nous dire mais qui genre doit aligner texte, nous capable choisir by texte nous en font pour nous déterminer qui couleur nous t'apprendre le gain, qui grosseur nous t'apprendre le gain. On dit tout nous gain dans produit qui pas là encore produit était là mais par contre il pas existe encore, on va venir là ou cocher côté marqué effet là ou cocher et puis bidou qui effet que tu as ajouté mais ça est comme si passer un trait pour dire produit ça était existé mais qu'on n'a pas gagné ou comme il fait ça et si me dit OK on va dans ce règlement yo on gagne 5 on gagne 2 qui gagne effet à la dedans on pas même champ encore. Ça c'est façon que nous même nous capable formater cellule. Et si vous voulez enlever formatage que vous faites, vous faites clic droit, vous faites même bagaille là, dans format cells, vous dites que vous ajoutez, vous faites pas là, mais vous dites là, vous reprenez, et si vous allez dans alignment, vous dites au lieu de prendre, vous allez prendre texte normal, et si vous dites OK, vous avez texte qui normal. Vous avez pour montrer comment capable ajouter fond, comme c'est ajouter couleur dans une cellule. Là nous te fait parce que nous avons utilisé un modèle, il montre que nous tout gain fond ça qui inséré parce que nous avons utilisé un modèle qui déjà existait dans Excel, mais on dit que une cellule ça, une cellule ça que on veut ajouter fond là-dedans, on veut changer fond cellule moi, on va sélectionner groupe de cellules là. On dit que groupe de cellules ça, on veut ajouter un fond là-dedans, on sélectionner, on aller dans petit récipient ça là qui dans onglet home, qui dans groupe fond, on clique et on va choisir la couleur ça qui couleur on veut by fond cellule moi. Voilà, nous gagnons fond pour cellule moi. Et simple ajouter comme ça, on va faire même bagarre la sélectionner et voilà, nous gagnons fond pour cellule moi. Et ça c'est façon que nous capable formater cellule nous pour nous pas input et façon que nous capable changer fond texte nous. Et voilà, c'est tout ça n'ta monter sur tableau et rendez-vous pour une autre vidéo. Merci, à la prochaine.